commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment envoyer un message vocal. On va donc voir comment envoyer un message vocal sous iOS à un contact, faire passer un petit message vocal plutôt que de l'écrire. Ça peut être vraiment plus sympa pour les gens d'entendre votre voix que de lire simplement un texto. On va tout simplement se rendre donc sur message non lu. On va rentrer à l'intérieur et on va taper sur le bouton rédiger. On va donc aller sur rédiger. Une fois que vous êtes dirigé sur ce que je vais faire tout de suite. Alors, soit vous entrez le nom de votre contact et vous allez retrouver directement dans la zone de liste ci-dessous, soit vous entrez directement son numéro de téléphone. Une fois ceci fait, alors attention, pour envoyer un message vocal sous iOS, il faut que la personne à l'opposé soit équipée d'un iPhone. Si la personne est équipée d'un Android, vous ne pourrez en aucun cas faire un message vocal. Il faut absolument que votre interlocuteur soit équipé d'un iPhone. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas le bouton enregistrement audio. Bouton. Touchez deux fois et maintenez appuyé pour enregistrer le message audio. Relevez le doigt pour arrêter l'enregistrement. Voilà, donc ici, on va faire un double tap. Au deuxième tap, on va laisser poser. On va dire notre message. On va donner notre message. Et une fois terminé, on va relever notre doigt. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as vu ma vidéo sur YouTube. Je t'appellerai ce soir à tout à l'heure. Envoyer. Bouton. Et ici, je peux éventuellement soit le réécouter, soit annuler le message. On va tout de suite écouter. Lecture. Bouton. Supprimer l'enregistrement audio. Bouton. Durée d'enregistrement. 7 secondes. Lecture. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as vu ma vidéo sur YouTube. Je t'appellerai ce soir à tout à l'heure. Lecture. Bouton. Voilà, j'ai pu écouter mon message que je vais envoyer directement. Comme cela, je suis sûr qu'il est bien fait. Envoyer. Et bouton. Je peux l'envoyer. Maman. Bouton. Voilà, donc, sans avoir fait un message texte, j'ai pu envoyer un message audio d'iPhone à iPhone ou d'iPhone à iPad ou d'iPhone à Mac. Mais vous n'aurez pas ce bouton disponible si vous devez envoyer d'iPhone sous Android. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne, à liker et à partager avec vos amis. C'était un petit tuto de la chaîne Vision High Tech et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!